Du monde autour du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Tout comme au poste de collecte de l'école primaire publique Wokodoro, première étape de cette sortie de Sakalafia, de longues files d'attente s'observent aussi autour du poste sis en face de l'université de Parakou. C'est ici que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se fait ficher. Il se réjouit de l'engouement des populations pour le RAVIP. La population a compris l'enjeu. Il a espoir qu'à l'issue de l'opération, que l'essentiel, un grand nombre de la population sera pris en compte. Et j'ai aussi constaté que c'est plus simple pour les opérateurs quand on s'enregistre dans sa circonscription. Vous voyez, ça a été facile pour eux de retrouver là où j'étais enregistré, voilà, l'EPI, là où je suis né, de pouvoir vous classer. En tant que superviseur départemental des opérations du RAVIP, Sakalafia répond aux plaintes des populations liées au rythme d'enregistrement. C'est lié à la qualité de ce que nous recherchons. C'est lié aussi à la durée. L'opération va durer 6 mois. Les gens ont quand même le temps de s'enregistrer correctement. On ne peut que féliciter, encourager et la presse et les organisateurs de l'opération. Ça ira encore plus vite dès qu'il y aura quelques ajustements. Je sais qu'il ira plus vite dès que les opérateurs auront acquis l'expérience et l'habileté qu'il faut pour faire ce boulot-là. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité publique décourage toute réticence par rapport à l'enregistrement. C'est simple pour eux, ils cesseront d'exister légalement au pays. Parce qu'à l'issue de ça, tout acte administratif que vous allez vouloir poser, ça passera par cette carte-là. N'importe quelle activité, même vos enfants, ça va les suivre. Donc, les gens finiront par le faire. On est plus en sécurité quand le malfrat peut être retrouvé plus facilement. On veut le réel. C'est monsieur qui a posé l'acte, on veut savoir que c'est lui qui a posé l'acte, que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et la science avance dans ce cadre-là. La science, c'est la précision, c'est l'objectivité. Parakou s'ajoute ainsi à Niki, Perere et Banikwara, des communes déjà sillonnées par le superviseur départemental des opérations du RAVIP.